manifestants selon la police et 2500 selon les syndicats. Dimanche matin, dans les rues de Marseille, les brebis ont mis tout le monde d'accord. Et pour une fois, les Marseillais avaient l'air ravis de regarder passer un cortège. Très original, c'est bien de le faire parcourir dans la ville. Comme ça, les gens, en venant au centre-ville, ils sont obligés de les voir et de faire attention à eux, peut-être éventuellement de les aider, de les soutenir. La Fédération régionale ovine du Sud-Est avait décidé de transhumer dans le centre-ville de Marseille. Une manifestation originale pour pousser un véritable cri de détresse. Les éleveurs ovins demandent plus de subventions et une meilleure répartition des marges. L'essentiel, moi je pense que c'est le partage des marges. Parce qu'aujourd'hui, on vend nos agneaux à environ 5 euros le kilo de carcasse, quoi, la viande, le kilo de viande. Et vous pouvez voir dans la distribution, vous ne trouvez certainement pas de l'agneau à moins de 15 euros. Les éleveurs gagnent en moyenne 700 euros par mois en travaillant 7 jours sur 7. Et ces faibles revenus ne cessent de diminuer. C'est une des filières les moins rentables de l'élevage. Et si rien n'est fait, elle pourrait être amenée à disparaître.